Bonjour tout le monde. Vous m'entendez là? Désolée pour ce petit retard. Nous avions quelques problèmes techniques à régler, mais la conférence durera 1 heure et demie comme prévu. Donc, elle nous emmènera jusqu'à 15h40 par là. Donc, je suis Catherine Benoît du GA de New York. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une conférence débat intitulée Une diplomatie altermondialiste pour la paix. Cette conférence a pour objectif de présenter la politique que la France insoumise propose de développer sur le plan diplomatique. Altermondialiste, car pour la France insoumise, un autre monde est possible, plus juste, plus ordonné, plus écologique, respectueux de la personne et des peuples, en lien avec leur environnement naturel et social, à l'inverse d'une conception néolibérale de la mondialisation. Pour discuter de ce thème, la Coordination mondiale des Français de l'étranger a invité Danielle Obono, députée de la France insoumise et référente du livret Migration pour une politique migratoire humaniste et réaliste, et Arnaud Le Gall, membre du Parlement de l'Union populaire et co-animateur du livret pour une France indépendante, souveraine et non alignée. Danielle et Arnaud présenteront en lien avec leurs propres expertises ce que sera cette nouvelle diplomatie qui régira les relations de la France avec d'autres pays et peuples dans le contexte d'une immense incertitude écologique. Nous leur avons demandé de préciser d'abord ce que signifierait le non-alignement dans l'optique d'une France indépendante diplomatiquement, d'indiquer les formes que prendraient les coopérations internationales, y compris dans le cadre d'une francophonie ouverte et généreuse et d'une politique migratoire humaniste. Et enfin, Danielle et Arnaud nous diront comment cette diplomatie prendra en compte le changement climatique et la protection des biens communs planétaires. L'équipe qui a organisé et qui anime ce débat est composée de Catherine Anger, Italie du Nord, Chantal Moussa, Liban, Mariuto Venegas, Buenos Aires et Florence Poznanski, co-coordinatrice des Français de l'étranger. Je donne d'abord la parole à Danielle Obono. Bonjour à tous et toutes, bonjour ou bonsoir en fonction du lieu où vous vous trouvez aujourd'hui à travers la planète. Je suis très heureuse de participer à cette conférence internationale sur le programme de Jean-Luc Mélenchon et de l'Union populaire en matière de diplomatie, de politique, de géopolitique. C'est un sujet éminemment d'actualité. On reviendra là-dessus, bien évidemment, avec la situation en Ukraine. Et pour ma part, il se trouve que je reviens d'un déplacement en Guyane. J'y étais pour parler de la campagne de Jean-Luc Mélenchon et parler justement des propositions de Jean-Luc Mélenchon et de l'Union populaire par rapport au territoire de la Guyane et de l'ensemble des Outre-mer, ce que moi j'appelle les territoires altercontinentaux, les territoires insulaires, qui font de la France un pays universel, un pays qui est présent sur tous les continents et sur tous les océans. Et c'est précisément du fait de cette présence, de cette richesse aussi que constitue le territoire français à travers la planète. Et surtout des responsabilités que cela incombe, qui nous incombe de par ce fait, que les propositions de Jean-Luc Mélenchon, qui est, je crois, en fait le seul à avoir véritablement une stratégie au niveau international, on peut la critiquer, mais elle est claire, et une stratégie de non-alignement, de souveraineté, d'indépendance au service de la paix. Et pour nous, la question de l'altermondialisme, ce n'est pas simplement l'héritage des luttes dans lesquelles beaucoup d'entre nous ont été formés. Pour ma part, le mouvement altermondialiste a été le cadre dans lequel j'ai commencé à militer. Donc, c'est une question et des problématiques qui sont très importantes pour moi. Mais c'est une véritable vision d'un autre ordre du monde face au désordre et à l'instabilité permanente que nous connaissons aujourd'hui, d'un autre ordre du monde au service des peuples que nous voulons construire avec les peuples du monde entier et dans lesquels nous pensons que la France, étant donné sa place, comme je l'indiquais tout à l'heure, et son histoire, est peut-être un facteur de construction important au sein des institutions internationales et en premier lieu de l'ONU pour cet autre monde qui est le slogan de
de notre campagne, cet autre monde qui doit s'appuyer sur une politique volontariste, une politique visionnaire. Alors, je voulais donner quelques éléments et le débat permettra de développer les différents points de notre programme en la matière. Je vous renvoie dès aujourd'hui, dès maintenant aussi, aux détails qui sont développés dans les livrets thématiques. En plus de notre programme, nous avons énormément de livrets thématiques qui abordent l'ensemble de ces questions et en particulier la question de l'international et de notre stratégie. Ils sont en ligne sur Mélenchon2022.fr et vous aurez tous les éléments que nous n'aurons peut-être pas l'occasion d'aborder ici, dont vous pouvez prendre connaissance directement sur notre site. Et sur les différents livrets. Alors oui, nous défendons un non-alignement de la France pour lui permettre de jouer un rôle constructif et positif dans la scène internationale qui, on le voit, est complètement restructurée, notamment du fait de l'intervention de la Russie et l'invasion de la Russie par l'Ukraine. Mais au-delà, en fait, cette guerre que nous condamnons fortement, pour lesquels nous appelons au cessez-le-feu et au retrait des troupes russes. Nous faisons des propositions précises, je pense que Arnaud reviendra là-dessus aussi sur cette question pour rétablir le respect des frontières et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, garantir la sécurité y compris de la France dans ce débat et donner des garanties que la Russie peut estimer nécessaires pour sa propre sécurité, mais plus largement, cette situation en Ukraine, cette guerre en Ukraine, renvoie à l'alerte que donnait depuis très longtemps Jean-Luc Mélenchon sur la nécessité de repenser notre stratégie au niveau européen, en dehors du prisme atlantiste, en dehors de l'OTAN, parce que cette stratégie nécessitait justement une indépendance. C'est d'ailleurs pour ça que nous proposons la sortie de l'OTAN, et puis également de penser notre indépendance en lien, en coopération avec différents États qui sont aussi des États avec lesquels nous avons ou nous partageons une histoire qui n'est pas toujours simple, qui a pu être conflictuelle, mais qui a construit aussi des partenariats, de l'amitié et aussi des échanges très, très importants. Je pense par exemple aux pays de la Méditerranée, du pourtour méditerranéen, de l'Afrique du Nord qui jouxte la Méditerranée. Je pense aux pays francophones d'Afrique subsaharienne. Et puis je pense à tous les pays dont nous continent, les pays d'Amérique du Sud avec lesquels nous partageons la plus longue frontière que nous avons au niveau de la Guyane, les pays de l'océan Indien, de l'Océanie, avec lesquels la Réunion, Mayotte sont en contact et en échange permanent, les pays et de l'ensemble du Pacifique où nous avons aussi des territoires. Et pour nous, cette autre vision et cette autre politique de la France doit s'ancrer dans les coopérations et dans le développement des coopérations dans ces régions-là, y compris pour le développement, un développement plus harmonieux, plus endogène de ces territoires. Il faut construire des coopérations fortes, régionales, dans les Caraïbes, dans l'océan Indien, et participer y compris aux structures régionales de ces zones. De ces régions parce que nous avons des intérêts communs à défendre, nous avons des politiques communes à mener. Donc sortir en fait d'un eurocentrisme qui ne correspond pas en fait à la réalité ni de notre histoire ni de notre présence dans le monde, et des intérêts à défendre, d'abord l'intérêt de la paix, et c'est la voie que porte aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon d'être le candidat de la paix, qui refuse l'escalade militaire parce qu'elle n'est pas une solution en Ukraine et ailleurs, qui apporte son soutien aux peuples qui sont aujourd'hui les victimes de l'agression. Je pense aux peuples en Ukraine, mais je pense aussi à tous les peuples à travers la planète, comme au Yémen, où la population subit une agression, une guerre de la part de l'Arabie saoudite, alliée aujourd'hui des États-Unis et de la France, malheureusement, puisque Emmanuel Macron a renforcé les liens
avec le régime qui bombarde aujourd'hui et qui crée une des pires crises humanitaires au monde. Nous continuons à apporter notre solidarité au peuple palestinien, au peuple ouïghour, à tous les peuples qui sont aujourd'hui victimes de la guerre, des agressions et des attaques militaires. Et donc, c'est une politique qui n'est pas à géométrie variable en la matière et que nous continuons à défendre et avec Jean-Luc Mélenchon qui affirme haut et fort que c'est la paix qu'il faut construire et on ne construit pas la paix en préparant la guerre comme le pensent certains. La paix, elle est aussi nécessaire non seulement à la vie des peuples, à la survie des peuples qui sont victimes des guerres, mais aussi au grand défi qui est celui de l'humanité tout entière de faire face au changement climatique. Et ça, c'est un des éléments de cette politique altermondialiste que nous mettons en avant, la nécessité pour la France d'être à l'avant-garde, à l'avant-poste, et nos territoires en Outre-mer, des territoires insulaires et altercontinentaux, de notre point de vue, sont un point d'appui pour cela, avec les ressources qui existent, avec les biens communs qu'il y a à protéger. Je pense notamment à la forêt amazonienne et à l'extraordinaire biodiversité qui existe et donc qui est notre responsabilité de protéger. Et de ce point de vue-là, nous pouvons créer, j'évoquais la question des coopérations, avec d'autres États d'Amérique du Sud, des États comme la Bolivie, comme l'Équateur, qui ont aussi avancé sur ces questions-là, un rapport de force au niveau international pour permettre, par exemple, un traité international de gestion raisonnée des forêts, qui voilà, serait une manière de faire avancer cette cause de préservation de la biodiversité et d'usage écologique de la forêt. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais la question d'une diplomatie altermondialiste au service de la bifurcation écologique pour permettre d'atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, traité international de non-prolifération des énergies carbonées. Nous avons des alliés, régionaux dans l'ensemble des continents pour mener ce type de politique. Et enfin, le troisième axe sur lequel je voudrais revenir, c'est celui de la nécessité, si on veut faire face au changement climatique, si on veut permettre que nos sociétés soient véritablement résilientes, il y a un enjeu dans la réduction des inégalités au sein de nos États, mais également entre les États. C'est un constat qui est fait de manière globale sur l'explosion des inégalités, alors que les richesses n'ont jamais été aussi importantes. Et donc, la question du partage des richesses, du partage des ressources et des richesses est aussi un enjeu. Et nous voulons jouer un rôle de ce point de vue-là, par exemple, en mettant fin aux accords de libre-échange qui, aujourd'hui, créent un partage du monde très défavorable au développement endogène des États, un libre-échange qui est un déménagement permanent du monde et donc participe au développement des émissions de gaz à effet de serre, participe à détruire, en fait, y compris les économies, les agricultures paysannes de nombreux États, et donc à créer le terreau pour des migrations dans de nombreuses pays où les agriculteurs n'ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins et donc se déplacent à l'intérieur des pays et puis ensuite se déplacent en dehors de leurs frontières pour trouver d'autres opportunités. Donc, la fin des accords de libre-échange et la mise en place, de notre point de vue, d'un protectionnisme solidaire qui permettrait de reconfigurer en fait le commerce et les échanges internationaux sur la base du respect de droits sociaux et de droits environnementaux. C'est un moyen, de notre point de vue, pas simplement pour la France, pour les secteurs d'activité en France, mais aussi pour les autres pays, de construire une dynamique beaucoup plus vertueuse, beaucoup plus respectueuse des droits humains et des droits sociaux. Ça, c'est un élément justement de cette stratégie altermondialiste que nous voulons mettre en œuvre. Voilà, je ne vais pas développer plus avant. Je pense que Arnaud pourra préciser un certain nombre de points. Peut-être le dernier point, qui est quelque chose
Jean-Luc Mélenchon a beaucoup réaffirmé l'idée que nous voulons changer de paradigme. Nous ne pensons pas que l'influence ou la puissance de la France se mesure au nombre de forces armées françaises en opération extérieure, au nombre de grandes entreprises qui auraient des parts de marché et qui gagneraient des parts de marché dans d'autres États. Non, l'influence et la puissance de la France, de notre point de vue, se mesurera dans notre politique au partage, à la coopération, au développement, y compris d'une francophonie des peuples, d'une francophonie qui permet de créer des universités de la mer, des universités de l'espace, en coopération avec différents États avec qui nous partageons des intérêts en la matière. Notre influence et notre puissance et le respect qui pourra être accordé à notre parole pour qu'elle soit entendue se mesurera dans notre capacité à être justement un des moteurs, un des exemples de la construction de cet autre monde, de ces alternatives en matière de partage des richesses, de réduction des inégalités, ce qui est un aspect fondateur en matière de bifurcation écologique dans le respect de nos accords et d'aller plus loin d'ailleurs dans ces accords internationaux, mais aussi en matière démocratique, en matière de refondation démocratique, parce que nous avons beaucoup perdu avec des régressions en matière d'état de droit et de liberté. Plutôt que d'être un exemple dans la répression des mobilisations, comme ça a été le cas sous la Macronie, nous devons être plus que jamais à la hauteur des principes qui sont les nôtres, de ce qui a beaucoup et pendant longtemps constitué un exemple pour les peuples du monde entier, notre devise, liberté, égalité, fraternité. Et de ce point de vue-là, les propositions de la constituante d'une 6e République et du développement des droits et des libertés seront aussi, je crois, un des éléments de notre influence et permettra, je crois, d'aider aussi d'autres pays, d'autres peuples à élargir les droits plutôt que les voir réduits, comme ça a été le cas au cours notamment de la crise sanitaire où il y a eu une régression générale des droits et des libertés. Voilà très synthétiquement un peu les grands axes de cette politique altermondialiste, cette nouvelle politique internationale que nous voulons mener une fois que Jean-Luc Mélenchon sera au pouvoir, et je l'espère, d'ici 15 jours à partir de maintenant, car nous sommes véritablement en position effectivement de changer le cours de l'histoire en France, et par l'influence que nous pourrons jouer et que nous pourrons réavoir au niveau international également. Merci infiniment, Daniel. Donc, je passe la parole à Arnaud Legall, qui est, je le rappelle, membre du Parlement de l'Union populaire et co-animateur du livret pour une France indépendante, souveraine et non alignée. Bonjour. Avant d'enlever le casque, je veux juste que tu me confirmes qu'on entend bien. Très bien, oui. Merci. Je vais donc, il y a des points qui vont forcément se recouper avec ce qu'a dit Daniel. Il se trouve qu'on appartient au même mouvement politique et qu'on milite pour le même programme, donc par définition, voilà. Peut-être que moi, je vais parler plus ou moins de la même chose, mais en prenant une approche peut-être un peu plus, de redéfinir certains termes qui parfois posent des questions, quels sont leurs contenus, etc. Et donc, je voudrais ici revenir un peu plus en détail sur la notion de non-alignement pour éviter les malentendus, sortir des mauvais procès qui nous sont faits sur ce sujet comme sur d'autres. Alors d'abord, très très brièvement, je voudrais rappeler qu'il y a une histoire du non-alignement, le mouvement des non-alignés qui était né pendant la guerre froide et la logique, comme vous le savez, c'était de refuser d'aligner leur politique étrangère sur l'une ou l'autre des grandes puissances mondiales. Alors, c'était un refus de principe, hein, évidemment. Après, dans la réalité, les États avaient plus ou moins les moyens de le mettre en œuvre. La France a les capacités de le mettre en œuvre pour tout un ensemble de raisons. Ce mouvement qui a connu des fortunes diverses existe toujours, c'est assez peu connu, hein, il regroupe toujours plus d'une centaine de pays membres. Donc
la logique du refus de l'alignement sur des blocs constitués autour de grandes puissances, elle garde toute sa pertinence. Même si la guerre froide est finie et qu'un certain nombre de choses ont changé depuis, il y a un retour d'une logique de bloc. C'est un réflexe des grandes puissances de toujours vouloir constituer des blocs géopolitiques autour d'elles. Et on voit très bien que la compétition et l'exacerbation de la compétition entre les États-Unis et la Chine créent vraiment un retour d'une logique de bloc. Et en parallèle, il y a une forme de... Le fait qu'il n'y ait pas une seule puissance dans le monde qui soit capable d'imposer un ordre, et je ne suis en aucun cas nostalgique de cette époque de la supposée toute puissance américaine capable d'être le gendarme du monde, mais en tout cas l'absence d'une superpuissance unique qui serait en capacité d'imposer un ordre fait qu'il y a beaucoup de mini-impérialismes régionaux qui peuvent... tenter aussi de reconstituer des blocs. C'est exactement ce qu'on voit dans la guerre en Ukraine. Alors, ce non-alignement et ce refus de s'inscrire dans une logique de bloc, concrètement, il s'exprime comment ? Déjà, le refus des alliances militaires intégrées. Nous ne voulons pas faire partie d'une alliance militaire permanente qui serait en opposition avec d'autres alliances militaires, semi-militaires. Je pense par exemple à l'OTAN contre l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui regroupe la Russie, la Chine, un certain nombre d'États d'Asie centrale, qui n'est pas une alliance militaire au sens strict, mais qui malgré tout est une alliance informelle regroupant plus de la moitié de la population de l'humanité, puisqu'il y a également l'Inde dedans. Et ensuite, en toute logique, nous proposons de reconnaître l'ONU, malgré ses limites, comme seule instance légitime de sécurité collective. Pourquoi ? Parce que c'est la seule instance universelle. Ça suppose également de déployer une diplomatie altermondialiste. Je reviendrai plus en détail sur ce que j'entends par là, dans multiples directions que Daniel a déjà retracé une grande partie, le petit bassin méditerranéen. Je vous renvoie au programme ici. J'en profite pour préciser que dans le livret, vous avez tous les détails. Et j'en profite aussi pour rappeler que la version papier a été... édité avant la guerre en Ukraine. Elle n'est en aucun cas invalidée par la guerre en Ukraine, je vais y revenir. Mais malgré tout, dans la version PDF en ligne, on a rajouté en annexe le discours de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale sur la guerre en Ukraine, pour bien clarifier notre position sur ce point. Donc, déploiement d'une diplomatie altermondialiste en direction du petit bassin méditerranéen, en direction de la francophonie politique et populaire. Alors, sur notre conception de la francophonie politique populaire, je vous renvoie, entre autres, évidemment, il y a un livret sur la question, et il y a aussi un discours fondateur de Jean-Luc Mélenchon à Ouagadougou, à l'Université de Ouagadougou, en juillet 2021. Ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite vraiment à écouter ce discours qui fait le tour de la question et qui a été très, très bien reçu en Afrique, en Amérique latine, etc. Et ce n'est pas simplement un redéploiement géographique, c'est aussi un redéploiement tout simplement de se mettre d'accord sur le fait que quels que soient les désaccords qu'on puisse avoir avec des régimes non démocratiques, quelles que soient les différences d'approche, etc., nous devons être en capacité de faire des coalitions autour d'intérêts, de projets d'intérêt général humain, promouvant les biens communs, soyons fous, la création d'une monnaie mondiale alternative au dollar et qu'il ne soit pas une monnaie nationale mondialisée, mais qu'il soit bien une monnaie mondiale, ça éviterait par exemple qu'on puisse avoir le genre de pression qu'on observe là avec Poutine qui met la pression en imposant le paiement du gaz et du blé en rouble, etc. Si on veut avancer sur ce type de projet, on sera obligé aussi de faire des coalitions avec des pays qui ne sont pas forcément des modèles. Voilà, c'est tout ça, le redéploiement diplomatique. Alors, à cet instant, il est très important de préciser une chose, c'est que le non-alignement, ça n'équivaut en aucun cas à la neutralité. Jean-Luc Mélenchon, comme l'a rappelé Daniel, a rappelé pendant plus de 10 ans, avec d'autres, Dominique de Villepin, Hubert Védrine, même des gens comme Brzezinski
théoricien, Dieu sait si c'était un théoricien au cœur de l'impérialisme états-unien, mais c'était un homme aussi intelligent, alertait sur les conséquences possibles de l'extension permanente de l'OTAN à l'Est. Bon, une fois que Poutine décide d'envahir l'Ukraine, c'est lui seul qui prend la décision. Alors, on n'était pas à un moment clé où l'OTAN avait fait une accélération de l'intégration ukrainienne, quoi que ce soit. Il a fait cette décision qui correspondait aussi à lui, à son agenda national, etc. On l'a immédiatement dénoncé. Le non-alignement, ce n'est pas la neutralité, parce que nous sommes alignés, entre guillemets, sur des principes, et notamment le droit international. Nous sommes pour un monde coordonné. Aussi imparfait soit le droit international, c'est un socle sur lequel on est obligé de se reposer, parce que s'il n'y a pas de droit international, c'est la compétition générale de tous contre tous, sans aucun cadre, sans aucune règle. Je ne dirais pas que c'est la loi du plus fort, parce que par définition, la loi du plus fort n'est pas la loi. Et donc, on est aligné sur ça, nous, sur ces principes. Et donc, on dénonce l'État ou les États qui les tordent à un moment donné. Ça ne doit pas nous amener à oublier que les Russes n'ont pas le monopole en la matière. Et c'est en ce sens que je voudrais rappeler aussi que notre discours sur le non-alignement n'est en aucun cas invalidé par la guerre en Ukraine. Il y a des choses qui existaient avant et qui continueront à exister après, et même j'ai envie de dire que la guerre en Ukraine, provoquée par Poutine, est un formidable et malheureusement accélérateur de dynamiques négatives, de reconstitution de blocs qu'on dénonce. Je ne sais pas, vous aurez peut-être l'occasion de lire un article de Serge Halimi dans Mon Diplomatique de ce mois-ci qui dit, et j'adhère totalement à cette idée, que Poutine a rendu un formidable service aux atlantistes et aux néoconservateurs. À un moment où, bon, jusqu'à une certaine limite, hein, c'était bien insuffisant à notre goût, mais on voyait bien quand même qu'il y avait quelques velléités d'avoir des positions un peu divergentes des États-Unis, que la France, l'Allemagne, de temps en temps, tentaient des coups diplomatiques sans forcément s'aligner sur Washington. Bon, ben, tout ça est très affaibli par la politique de Poutine, qui a rendu un fier service à tous ceux qui veulent une réintégration, une intégration atlantiste totale de l'Europe. Il a également rendu un fier service à la Chine qui entend occuper le vide laissé par les sanctions occidentales. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus dans la discussion. Mais donc, la guerre en Ukraine non seulement n'invalide pas nos constats et nos propositions, mais elle les rend encore plus urgentes. Ça va du règlement du conflit lui-même. Hein. Vous savez qu'on propose une conférence sur la sécurité collective en Europe qui reprendrait la question des frontières litigieuses, la question des armements, la question des alliances militaires. Cette conférence était pertinente avant, elle le sera encore plus maintenant, puisqu'il n'y a pas d'autre solution que de solution diplomatique à la guerre. Sinon, c'est la guerre totale, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est même Nicolas Sarkozy qui l'a dit. Donc, ce n'est pas exactement un anti-atlantiste primaire. Vous savez cette expression, hein, quand on dira qu'on ne fera plus d'anti-atlantisme primaire quand il y aura un atlantisme secondaire. Ce n'est pas demain la veille. Donc voilà, alors pour... Maintenant que j'ai dit ça, pourquoi cette diplomatie, ce n'est pas juste une belle idée et ce serait déjà bien, mais c'est aussi quelque chose qui correspond à nos intérêts nationaux, qui rejoignent ici l'intérêt général humain. Pourquoi ? D'abord, rappelons que, quelque chose de tout bête, mais on est en capacité de mettre en œuvre une diplomatie non alignée à altermondialiste parce que aussi on est totalement indépendant et souverain sur notre défense. C'est un prérequis. C'est plus compliqué quand on ne l'est pas. Ensuite, je vais être très rapide là-dessus parce que Daniel l'a déjà très bien expliqué, c'est une diplomatie qui s'inscrit dans une géographie et dans une histoire. On ne doit pas oublier que la France a des possessions territoriales sur tous les continents. Et de ce point de vue, ça n'est pas une nation strictement occidentale, en tout cas d'un point de vue ne serait-ce que d'un point de vue géographique. Alors, je le dis, j'avais prévu cette petite incise, je vais être très rapide puisque Daniel nous a très bien éclairé là-dessus. Ça, évidemment, ça implique d'arrêter de considérer les territoires d'outre-mer comme de simples appendices oubliés de l'Hexagone.
ce doit être des territoires intégrés à des économies régionales et qui ont leur dynamique propre, etc., tout en gardant un lien avec l'Hexagone. Mais on ne peut pas parler de nations non occidentales si en fait on traite les territoires d'outre-mer tout simplement comme des colonies de l'intérieur, ce qui est parfois le cas. Je vous renvoie aux interventions de Daniel en Guyane, aux déplacements de Jean-Luc Mélenchon, de Mathilde Panot en Martinique, en Guadeloupe, où on voit très bien que, clairement, il y a des territoires de second rang, et ça, c'est inacceptable. Et ça va aussi de pair avec une histoire. Comme vous le savez, la France n'était pas dans le commandement intégré de l'OTAN jusqu'en 2009. Elle avait été sortie en 1966, dans des conditions autrement plus complexes que celles dont on nous dit actuellement qu'elles sont un obstacle à une telle politique. Je rappelle quand même que quand De Gaulle sort la France du commandement intégré de l'OTAN, il a 30 000 soldats états-uniens sur le territoire hexagonal. Il faut déplacer un certain nombre de bases. C'est un véritable déménagement militaire pour lequel on donne un an. Bon, à l'heure actuelle, il n'y a même pas de ça. Alors, il y a d'autres problèmes. On serait plus menacé par des sanctions économiques, par des cyberattaques, tout un ensemble de choses. On a très bien vu avec Assange et Snowden de quoi les États-Unis sont capables en la matière. Mais en tout cas, ils n'ont pas de soldats sur notre territoire et nous sommes encore plus souverain au niveau de la défense qu'on ne l'était à l'époque. Donc voilà, et à ceux qui disent que notre diplomatie de non-alignement équivaudrait à un isolement, à se couper du monde, à sortir de la mondialisation, ce qui n'a aucun sens, parce que la mondialisation, c'est pas un projet, c'est un fait géopolitique. Qu'on peut évidemment orienter dans différents sens. Elle peut être néolibérale, elle peut être altermondialiste, etc. Mais c'est un fait, on ne sort pas du monde. On ne sort pas d'un monde intégré et interdépendant. Mais en revanche, c'est donc tout le contraire de l'isolement, mais c'est en revanche choisir les termes de notre interdépendance au monde. Et c'est très important. On doit décider de ce qu'on échange, de ce qu'on produit en France, de ce qu'on ne produit pas en France, parce qu'on ne peut pas, ou de ce qu'on importe, de ce que, au contraire, on décide de produire nous-mêmes, etc., etc., etc. On doit aussi décider, voilà. Et déjà, j'en arrive au dernier point, qui risque d'être peut-être un petit peu redondant avec ce qu'a pu dire Daniel, mais je vais essayer de le prendre sous un angle un peu différent. C'est le fait que le non-alignement ne peut aller de pair avec une politique néolibérale. En fait, d'abord deux exemples. Comment voulez-vous être souverain sur le plan énergétique? Et donc, je renvoie ici au discours que moi je qualifie de lunaire, de quelqu'un comme Anne Hidalgo ou Yannick Jadot, nous ne devons plus prendre de gaz russe, etc. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont comme proposition? Que les Français baissent le chauffage. On voit bien qu'on ne peut pas être complètement indépendant et être en capacité de mettre nos menaces à exécution si on n'organise pas la planification écologique et à terme la souveraineté énergétique. Sinon, c'est de la flûte. Et ça n'est pas possible dans un cadre néolibéral. On ne peut pas, idem sur la souveraineté alimentaire, on nous fait croire à longueur de séance à l'Assemblée, le ministre nous fait croire que le secteur agroalimentaire productiviste a rendu la France souveraine au niveau alimentaire. Ça n'est pas vrai. La souveraineté alimentaire agricole de la France, alimentaire de la France, est remise en question. Pourquoi? Parce qu'on a choisi d'intégrer notre agriculture dans un modèle sur les marchés mondiaux, dans le capitalisme international. Et donc, on a choisi de spécialiser beaucoup sur certaines productions qu'on exporte massivement et sur lesquelles, évidemment, on est assez autosuffisant, hein, le blé notamment. Et en revanche, on a arrêté de produire d'autres types de productions qu'on importe massivement et sur lesquelles on peut vite avoir des pénuries. J'ajoute à cela que ce type d'agriculture, comme vous le savez, épuise les sols et donc à terme, commence déjà à compromettre des rendements. Donc, de toute façon, c'est une vision de très court terme. Et donc, pour reprendre au-delà de ces deux exemples, c'est une logique plus globale.
On est obligé de reprendre la formule de Jaurès, même si elle a été trop souvent citée, mais pas suffisamment appliquée. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Une diplomatie promouvant la paix, etc., ne peut en rester à des propositions strictement diplomatiques, aussi importantes soient-elles et aussi fondamentales soient-elles, sur le désarmement, les traités sur le nucléaire, la question des frontières, etc. Il faut en profondeur revoir tout un mode de production, d'échange et de consommation. Sinon, de toute façon, c'est la compétition de tous contre tous qui se termine toujours en guerre d'une manière ou d'une autre. Je vous renvoie notamment à un article de Romaric Godin très intéressant qui montrait comment dans la guerre en Ukraine, même si la guerre en Ukraine n'est pas d'abord une guerre capitaliste, il n'en reste pas moins qu'il montre très très bien, de manière très convaincante, comment les choix économiques de Poutine, etc., le contraignent et expliquent en partie le choix d'envahir l'Ukraine. Le non-alignement, pour être au service de la paix, doit être également altermondialiste, c'est-à-dire en rupture avec le néolibéralisme. Ça rejoint ici, c'est important de le dire, parce que la géopolitique, ce n'est pas uniquement les relations entre les États vues du ciel, hein, c'est aussi aller dans le cœur des sociétés, voir comment les dynamiques des sociétés, et en ce sens, comme l'a très bien rappelé Daniel tout à l'heure, la dynamique, la séparation stricte entre l'intérieur et l'extérieur est à relativiser dans l'analyse. Alors évidemment, elle garde sa pertinence institutionnelle. Hein. Il y a un ministère de l'Intérieur, il n'est pas question d'aller faire la police ailleurs. Il faut bien comprendre que les choses s'articulent dans la vraie vie de manière beaucoup plus complexe. Et on voit bien comment les révolutions citoyennes influencent la géopolitique. Un certain nombre de réactions et de retours très conservateurs et de réactions identitaires, etc., sont aussi des réponses des oligarchies à toutes les vagues d'où on dit les révolutions citoyennes. Alors, c'est des processus. On sait très bien qu'il y en a plein qui échouent, mais il n'en reste pas moins que quand tout un pays se soulève au nom de revendications d'intérêt général, l'accès à l'énergie, l'accès au logement, la fin de la corruption, l'accès à des emplois décents, etc., etc., c'est un processus révolutionnaire. Qu'il soit maté, qu'il soit réprimé, etc., c'est un autre sujet, mais ça n'enlève rien au fait que c'est un processus révolutionnaire. Et ça, on y a assisté aux quatre coins du monde depuis plus de 10 ans maintenant, dans des dizaines de pays. Je ne vais pas vous lister ici tous les exemples, et la France en fait partie, puisque les Gilets jaunes étaient un mouvement, offraient un exemple de révolution, de processus de révolution citoyenne. Et donc, en ce sens, le programme de rupture avec le néolibéralisme, il est partagé par les peuples. Alors, même si, évidemment, on ne voit pas souvent des pancartes en Irak, au Liban, au Soudan, « Nous voulons sortir du néolibéralisme », on ne fait pas la révolution pour des théories. Mais quand on demande des prix décents pour les denrées de première nécessité, quand on demande, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, l'accès à l'énergie, l'emploi, fin de la corruption, etc., l'accès notamment au réseau collectif nécessaire à la vie et à la survie, notamment dans les zones urbaines où les gens ne peuvent pas produire eux-mêmes, etc., c'est une rupture avec le néolibéralisme, c'est une rupture concrète, ce sont des propositions de rupture concrète. Et je vais terminer là-dessus, c'est sur ce contexte explosif qu'est survenue la pandémie, que survient la guerre en Ukraine qui exacerbe encore plus les tensions, on parle de crise alimentaire, hein, vous l'avez noté, crise énergétique, explosion des prix, qui ne sont pas une fatalité liée à la guerre en Ukraine, qui sont aussi une accélération, une exacerbation des processus de marché provoqués par la guerre en Ukraine. Jean-Luc Mélenchon l'a très bien rappelé, le pétrole, il n'augmente pas parce qu'il y a la guerre en Ukraine, il augmente parce que les pays de l'OPEP et les États-Unis, etc., ont décidé de ne pas compenser les effets de la guerre en Ukraine en augmentant la production. Pourquoi ? Parce qu'ils font beaucoup plus de marge sur leur pétrole. Idem pour les crises alimentaires. Et donc, face à cette crise sociale généralisée, qui croisent la crise géopolitique et la crise écologique, ce n'est pas compliqué, il n'y a pas 36 solutions. Il y a
j'ai envie de dire que la France est un cas presque caricatural. On a soit la solution identitaire, qui peut être appliquée au niveau national ou international, c'est-à-dire quand on vous dit, quand on réduit par exemple les droits humains et la démocratie à des valeurs occidentales, c'est mettre des idées universelles et des pratiques universelles au service d'un discours civilisationnel, de choc de civilisation. Des gens très peu démocratiques en France se mettent en avant les droits de l'homme, les laïcités, les valeurs démocratiques uniquement quand ça les arrange face à tel ou tel régime autoritaire. En pratique, on voit que en fait, ça sert surtout à cacher que la compétition de tous contre tous, elle est faite au nom de beaux principes, mais en vérité, elle repose sur des choses beaucoup moins avouables qui, si on observe les pratiques économiques américaines, chinoises, en Europe, etc., il y a beaucoup plus de proximité qu'on veut bien le croire. Par-delà des grandes différences, évidemment, entre les régimes, etc. Et l'autre voie, face à la réponse identitaire, partout, hein, en Chine aussi, il y a une rétractation nationaliste, identitaire, en Russie, bon, je n'ai pas besoin de... Hein, mais partout, en Afrique, on voit très bien comment, dans un pays comme le Mali, les militaires ont répondu de manière autoritaire et en flattant une certaine forme de nationalisme, à mon avis, détournant de la souveraineté populaire, mais ça, je ne veux pas parler au nom des Maliens, etc. On pourrait multiplier les exemples aux quatre coins du monde. L'autre voie, c'est répondre à l'urgence climatique, l'urgence sociale, l'urgence démocratique, l'urgence pour la paix, en définitive, par cette diplomatie altermondialiste que nous proposons. Et là, je terminerai là-dessus. Elle se résume finalement, c'est relancer la coopération nationale au service de démondialisation de ce qui doit l'être, dans le cadre du protectionnisme solidaire, qui est un des aspects essentiels de notre programme, et à l'inverse, d'une réglementation collective de ce qui doit rester mondialisé, parce que de toute façon, ça ne peut pas être autrement. On ne va pas nationaliser le climat, hein. On ne va pas nationaliser les grands fonds, etc. Et ça, ça renvoie à la question des biens communs. S'il y a des questions là-dessus, on pourra définir plus avant. Je dis ça pourquoi ? Parce que bien commun est un concept qui est utilisé par beaucoup de monde, y compris par des libéraux qui pensent que le marché peut répondre au bien commun, ce qui est évidemment aux antipodes de notre conception à nous. Les biens communs doivent être extraits de la logique du marché. Et se battre au sein de l'ONU et dans toutes les arènes nécessaires, utiles, pour une autre conception exigeante et qui soit appliquée des biens communs, c'est une manière d'attaquer secteur par secteur, de manière opiniâtre, le néolibéralisme. On ne peut pas dire « je vais abolir le néolibéralisme ». Par contre, on peut dire « voilà, on va changer ça sur un règlement international, sur le règlement de la dette pour extraire les peuples des griffes de la finance ». On va lancer une bataille pour la protection des grands fonds. Et ben, ça tombe bien, ça permettra d'en finir avec la compétition généralisée pour l'extraction qu'on observe par exemple dans l'Est de la Méditerranée et qui est à deux doigts de provoquer des guerres, etc. J'ai déjà dépassé mon quota de 3 ou 4 minutes, donc je m'arrête là. Merci Arnaud, il n'y avait pas de quota si précis que ça, donc aucun problème. C'était passionnant de voir la complémentarité entre vos deux interventions et comment Arnaud, tu as aussi revu certains points suite à l'intervention de Daniel. Alors, j'ai deux, trois remarques pratique. La première, c'est qu'on attend votre question. Alors, on a fermé les caméras et les micros pour que ce soit plus facile à gérer. Mais vous pouvez envoyer vos questions dans le chat sur Zoom et également sur YouTube. On va les récupérer ici en régie, si je puis dire. Et Catherine et Chantal les passeront à Arnaud et à Daniel. Donc ça, c'est la première chose et c'est Catherine qui va commencer. Mais avant, je voudrais
Deux minutes, Catherine. Avant, je voudrais vous rappeler l'existence d'un groupe des Français dès l'étranger qui a une boucle sur Telegram. Et vous serez ainsi au courant de tous les événements, de tous les processus, de toutes les démarches à faire pour voter, par exemple. Vous pourrez vous impliquer sur tout un ensemble de groupes de travail. Vous avez le lien dans la boucle Telegram, rejoindre la dynamique Union populaire des Français de l'étranger. Et puis également sur YouTube, on pourrait vous l'envoyer d'ici deux minutes. Donc, rejoignez-nous, c'est plus important que jamais à une semaine du premier tour. Donc, on peut commencer avec les questions. Catherine, si tu es prête. Et puis, Chantal interviendra aussi pour les questions suivant comment elles arrivent. Et les questions ne seront visibles que pour les animateurs, en fait, et les intervenants, ce qui nous permet de sélectionner, d'éviter les questions redondantes. À toi, Catherine. Oui, donc je vais faire la. Ça tombe bien que Arnaud parlait des biens communs, parce que justement, il y avait une question à ce sujet. Que faire pour protéger les biens communs et comment étendre les protections du droit international aux biens communs planétaires? Oui, bien sûr, vous pouvez répondre tous les deux. Vous voyez vous-même la question qui vous convient. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Tu veux commencer, Arnaud ? Si tu veux. Moi, je compléterai si besoin. Bon. D'abord, il y a un principe. Il faut d'abord, avant de savoir comment on fait, poser le principe. Il est fondamental déjà de mener la bataille, notamment à l'ONU, sur la définition des biens communs. Si vous allez sur certaines pages de l'ONU, vous savez, l'ONU, c'est une grande maison multiple. Qui peut faire le meilleur et le moins bon, et qui est une maison qui a besoin d'argent aussi, hein, et qui parfois donc, fait du partenariat public-privé, etc. etc. Voilà, c'est la logique des agences de l'ONU qui ont une relative autonomie. Si vous voulez, sur certaines pages, vous aurez des odes aux biens communs, mais qui sont en fait complètement dans une vision complètement libérale. C'est là. Des grands groupes énergétiques français, de pouvoir en eau, etc., vous vanter l'accès aux biens communs, etc. Donc déjà, rompre avec cette vision comme quoi, selon laquelle les biens communs seraient compatibles avec le marché. Le marché ne peut pas, par définition, c'est impossible, ne peut pas remplir des missions de biens communs. Défendre les biens communs, les protéger, etc. Il peut, voilà, il fait autre chose. Il peut vendre de l'eau, il peut vendre, à la fin, il vendra de l'air, mais il ne peut pas. Alors après, comment faire ? Bah là, c'est une bataille de tous les jours et multidimensionnelle, tous azimuts au sein dans les instances concernées. Pour commencer, nous ne pouvons pas le faire sans l'appliquer chez nous. Donc là, ça suppose déjà, je reviens là-dessus, de mettre en œuvre le protectionnisme solidaire. C'est la seule manière de pouvoir conditionner le commerce, etc., à justement l'encadrer par des règles écologiques, sociales, qui vont dans le sens de la défense des biens communs. Alors après, la bataille doit se mener à l'OIT, à l'Organisation internationale du travail, à la CNUSED. La CNUSED, c'est la commission de l'ONU pour le commerce et le développement, au sein de l'ONU, du FMI, de l'OMC, etc., on doit mener cette bataille en proposant en permanence des politiques de rupture et de néolibéralisme. Typiquement, un exemple, dans notre ancien programme, on parlait d'en sortir, mais en vérité, on peut aussi se battre dedans. Un exemple, et j'arrêterai là, et pour le reste, je vous renvoie au point 5 du livret. Hein, voilà. Les vaccins. On voit très bien que à l'OMC, après les discussions et la soi-disant ouverture de Biden suivie par Macron, avait radicalement changé de position, puisque Biden avait changé de position sur la question de la levée des brevets sur les vaccins et
les autres moyens médicaux de lutte contre le Covid, je le précise parce que c'est important, on voit bien que rien ne se passe. En vérité, à l'OMC, l'Europe et les États-Unis font barrage à la proposition de l'Inde, d'Afrique du Sud et d'un troisième pays dont j'ai oublié le nom, mais peu importe, ça correspond à des intérêts, à un intérêt général mondial. En vérité, on fait bloc contre cette mesure. La France, avec un grand courage, s'abrite derrière la Commission européenne, puisque c'est officiellement la Commission européenne qui a la charge de négocier, mais la France a un siège à l'OMC, elle pourrait très bien porter une voix discordante, et c'est ce que nous ferions si nous étions au pouvoir. Voilà, je pourrais décliner les exemples, mais c'est inutile, je pense, d'être trop long. Si, juste une dernière chose, excusez-moi. Il y a un point quand même qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà de l'existant, de ce qui est déjà en place et qu'il faut changer, etc., il y a tout ce qu'on doit inventer. Et notamment, c'est le discours sur les nouvelles frontières de l'humanité. Il y a tout un ensemble de nouveaux lieux et domaines qui ne sont pas du tout réglementés, voilà, et qui appellent à être réglementés. Les grands fonds, ce n'est pas simplement qu'il y aurait une réglementation qui ne nous plaît pas parce qu'elle est néolibérale. Non, il n'y a pas de réglementation du tout. J'ose pas dire c'est l'anarchie, parce que l'anarchie, il y a quand même une forme d'ordre collectif. Mais là, non, il n'y a rien. C'est juste la compétition généralisée de tous contre tous. Merci Arnaud. Une autre question, pardon, Daniel, vous voulez préciser. Je voulais rajouter un ou deux exemples. Je l'ai évoqué tout à l'heure sur la proposition d'un traité pour la gestion raisonnée des forêts, c'est-à-dire de s'appuyer aussi sur les initiatives qui existent dans d'autres pays, c'est-à-dire ne sommes pas les seuls, en fait. Que ce soit sur, par exemple, la protection de la Méditerranée, il y a tous les États qui ont la Méditerranée en partage, ont intérêt, par exemple, à un traité, comme nous le proposons, contre la pollution plastique, parce que ça, c'est un enjeu pour l'ensemble des océans. Mais par exemple, sur la mer Méditerranée, qui contiendra bientôt plus de plastique que de poissons, si ça continue à ce niveau-là. Je parlais de la question des forêts, mais aussi sur la question de l'eau comme bien commun. Vous avez eu d'autres États qui ont eu des initiatives en ce sens-là, et donc on doit s'appuyer aussi sur ce que font ces autres États et le fait d'avoir aussi des leviers. Nous, on refondra complètement l'aide française au développement, qui souvent n'aide véritablement que les entreprises françaises des marchés et avoir une activité à l'étranger. Et on fléchera aussi cette aide-là sur les projets, par exemple, d'adduction d'eau, d'assainissement, en s'appuyant sur les capacités et en développant les transferts d'énergie, les transferts de technologie pour que les États puissent développer leur propre savoir-faire et leur propre technicité, mais en fléchant aussi les moyens de l'aide française au développement dans des projets de préservation des biens communs. Donc voilà un éventail, s'appuyer sur les initiatives d'autres États qui sont souvent précurseurs sur ces différents sujets. Je pense à la Bolivie, je pense à l'Équateur. Je pense également à plusieurs pays méditerranéens sur ces enjeux-là et utiliser les leviers du financement international pour aller dans le sens effectivement de cette protection. Et le droit international, la mise en place par exemple d'un tribunal climatique, ça, si nous faisons avancer ça, ça permettra aussi du coup de construire un rapport de force international pour la préservation des biens communs. Une toute petite précision, parce que merci à Daniel d'avoir rappelé que l'aide publique au développement pouvait être un levier. On se complète bien. Ça supposera que l'AFD… C'est pour ça qu'on vous a choisi tous les deux. Ça supposera que l'Agence française de développement ne soit plus une banque. À l'heure actuelle, elle agit comme une banque. Je ne sais pas si dans les camarades français de l'étranger, il y a des gens qui travaillent à l'Agence française de développement. Je les invite, le cas échéant, à regarder le point 6 du livret. Nous aurons bien l'intention de réintégrer l'Agence française de développement au sein du ministère des Affaires étrangères et qu'elle réponde
aux objectifs politiques et économiques et de solidarité internationale qui lui seront fixés et non pas qu'elle continue à agir tranquillement dans son coin comme une banque. Très bien. Je crois qu'on a maintenant un ensemble de questions qui relèvent plus de la géopolitique. Et peut-être que Catherine voudrait commencer. Alors, première question, y a-t-il dans l'Union européenne un ou plusieurs pays qui prônent également le non-alignement ? Et puis j'enchaîne aussi avec la question suivante. Comment cette vision altermondialiste du programme pourrait diminuer la vente d'armes dans différents pays ? Alors, dans l'Union européenne, pas à ma connaissance, mais en Europe, en fait, il y a, y compris quand on pense à la situation en Europe de l'Est, il y a des pays, en fait, qui sont, de fait, non alignés. Je pense à la Finlande, si je me trompe, qui a choisi de ne pas entrer dans l'OTAN, ayant une frontière avec la Russie, en tenant compte de cette dimension géopolitique et qui, dernièrement aussi, a réaffirmé cela. Donc, le positionnement de non-alignement existe de fait dans un certain nombre d'États européens, à défaut de l'Union européenne. Mais je pense que c'est là aussi une prise de position qui pourrait en inspirer d'autres au niveau de l'Union même, au sein de l'Union même. Nous ne pensons pas que les jeux soient faits au sein de l'Union européenne. Nous voulons mener une bataille au sein de l'Union européenne en utilisant les leviers qui existent pour appliquer notre programme et pour changer aussi la politique de l'Union, notamment en matière de traités de libre-échange, puisque nous remettons en cause ces traités. Et je pense que dans d'autres États, quand les peuples ont été consultés sur ce sujet, je pense par exemple à la Belgique, ils se sont, en tout cas les parlements, c'était... c'est pas les peuples, mais les parlements, c'était opposé à ces accords de libre-échange. Et donc, on a des leviers dans à la fois le fait de prendre l'initiative de nous-mêmes et aussi dans plusieurs, je pense, pays de l'Union européenne, des mouvements sociaux, qui par ailleurs sont aussi européens et internationaux, et des forces politiques, voire des gouvernements qui seraient, je pense, intéressés à changer la dynamique internationale. Et sur la question de la guerre et des ventes d'armes, je pense que quand nous menons que nous défendons une politique au service de la paix, ça vise justement à réduire les conflits et donc à faire en sorte qu'y compris nous-mêmes, nous ne nous retrouvions pas à participer à des conflits comme ce que j'évoquais sur la situation au Yémen, comme la situation, c'est pas l'agression d'un État par un autre, mais par exemple en Égypte, où le pouvoir autoritaire, grâce aux livraisons d'armes françaises, grâce à l'aide française, nous participons à la répression des mouvements sociaux, à la répression des opposants politiques, et donc avoir un contrôle plus strict de ce point de vue-là, notamment aussi du Parlement sur ses choix de vente d'armes. La France est effectivement un des premiers pays vendeurs d'armes au monde, mais que l'enjeu de changer de dynamique et d'être dans une logique de développement de la paix, de la coopération, c'est aussi réduire cela, et donc on assume d'avoir à moyen long terme une réduction en fait de la nécessité d'utilisation d'armes dans des conflits, parce qu'il y aura une réduction des conflits de ce type-là, ou en tout cas la France choisira aussi ne pas vendre d'armes à des États qui seraient engagés là-dedans pour l'intérêt des populations, et puis pour nos propres intérêts aussi, parce que l'implication dans ces conflits a toujours des répercussions directement ou indirectement sur la France en termes de danger pour sa propre sécurité, en termes économiques, parce qu'on fait payer aussi, comme tente de le faire le gouvernement Macron aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, on fait payer aussi au peuple français ses choix de géopolitique. Donc, à mon avis, c'est vraiment la logique vertueuse au niveau international que nous voulons créer. Avec ce changement de stratégie internationale et cette diplomatie altermondialiste.
Peut-être juste deux précisions sur la situation en Europe, neutralité, non-alignement, etc. Et les pays que Daniel a rappelés. Si jamais il y avait des gens à convaincre ici que Poutine ne rend aucun, pas du tout service aux anti-atlantistes sous prétexte qu'il combattrait l'avancée de l'OTAN, c'est qu'on voit bien justement comment ces logiques de non-alignement tendent à être un peu remises en cause dans les débats publics, notamment en Finlande et en Suède, à cause de la guerre en Ukraine, justement. Alors, on n'en est pas encore au stade où la Finlande et l'Ukraine et la Suède vont intégrer l'OTAN, hein, j'espère pas. Et nous, on serait contre. Mais en attendant, quand on lit la presse et tout, on voit bien que là-bas, il y a des débats qui sont relancés. Et il y a des courants atlantistes là-bas qui relancent le débat sur la... Voilà. Donc, Poutine ne nous aide pas, loin de là. Et ensuite, sur la question des ventes d'armes, les objectifs, évidemment, que Daniel a décrits sont ceux d'une diplomatie altermondialiste. Comment faire ? Déjà, il y a quand même quelque chose qu'il faudrait remettre en cause, et je vous invite à aller voir plus en détail le livret Défense sur cette question. C'est qu'on a complètement mis l'industrie française de l'armement dans une logique néolibérale et de compétition mondiale. On s'est ultra spécialisé, on a spécialisé ces industries dans l'armement, ce qui n'était pas le cas avant, elles pouvaient être polyvalentes. Et pourquoi ? Parce que le secteur de l'armement est certainement un des secteurs les plus lucratifs du capitalisme. Si vous enlevez la drogue, la traite des êtres humains, etc., qui sont des secteurs carrément mafieux, le secteur de l'armement est connu pour être celui où il y a le plus de plus-value. Donc, ils se sont délestés des secteurs moins lucratifs de l'industrie et ils sont spécialisés en armement. Et du coup, le revers de la médaille, c'est que pour rentabiliser ça, il faut vendre partout à qui en veut. Des armes comme des petits pains, au risque de se mettre en porte-à-faux complet avec le traité sur le commerce des armes. Quand on voit, il y a des armes françaises qui ont été utilisées au Yémen et qui ont été vendues après le déclenchement de la guerre. Voilà, il faut le dire. On voit très bien les révélations de Disclose sur l'Égypte, etc. Et donc, pour faire ça, il faut redévelopper une industrie polyvalente, c'est-à-dire qu'il soit capable de basculer sur des chaînes civiles, etc., pour produire autre chose que des armes, et le cas échéant, si on avait besoin d'une augmentation de production d'armes parce qu'on doit assurer aussi la défense de notre pays en cas de besoin, on pourrait rebasculer, plutôt que d'être dans des chaînes qui font que de l'armement et qui doivent en vendre en permanence aux quatre coins du monde. Et puis, je terminerai là-dessus, et là, Daniel est très bien placé pour le savoir, quid du contrôle parlementaire sur le commerce des armes ? C'est-à-dire, on a un vague rapport chaque année, hein, Daniel. Les parlementaires n'ont pas de pouvoir sur. Voilà, donc, et ça, c'est inacceptable. On est en train de parler, comme le disait Daniel, d'un commerce qui n'est pas simplement un simple commerce de pain au chocolat, qui engage notre pays, qui peut avoir un impact majeur sur nos populations, qui parfois même détermine notre diplomatie. Je veux dire, l'alignement sur les monarchies du Golfe, il ne s'explique pas par une passion de nos dirigeants pour le wahhabisme. Hein. Il s'explique parce que ce sont nos principaux clients. Et ça a même failli, alors que la France était historiquement un partenaire qui pouvait parler à tout le monde dans la zone, qui était reconnu comme un partenaire entre guillemets non aligné, et qui donc on pouvait parler aussi bien aux Iraniens qu'aux Saoudiens, etc., que ce sont que des gens pas gentils, mais en attendant, la diplomatie, c'est aussi de parler avec les gens pas gentils. Maintenant, on voit bien comment ça nous a un peu réaligné au niveau régional sur les monarchies du Golfe. Et au moment de la signature de l'accord sur le nucléaire iranien, là où la France, 15 ans avant, aurait été à l'avant-garde de ces accords, là, elle était à la traîne. C'est des milieux néoconservateurs français et très liés à l'industrie de l'armement et au contrat avec les monarchies du Golfe, ont essayé de ralentir, de retarder l'adoption de l'accord en 2015. Bon, après, Trump est arrivé avec ses gros sabots, mais en attendant, voilà. Et on pourrait multiplier les exemples de ce type.
Avant qu'on passe aux autres questions, Arnaud, on a une question assez rapide. Est-ce que la nationalisation de Dassault est prévue? C'est trop tôt pour répondre. En vrai, je suis capable de vous répondre. Il faut bien comprendre que là, on arrive aux limites. Je sais pas, je parle pas pour Daniel, je parle pour moi. Aux limites de nos compétences, il y a des camarades qui s'occupent du livret de défense avec lesquels on travaille en permanence. Mais à un moment donné, c'est un secteur à part entière. C'est d'ailleurs pour ça que cette fois-ci, on a séparé le livret diplomatie et le livret de défense, parce qu'à un moment donné, pour aussi mettre en valeur tout le travail parlementaire qui a été fait, tout ça, et qui s'affichait que vous ne voulez pas faire un annuaire, donc on a fait deux livrets. L'industrie de défense, c'est un maquis. C'est très complexe. C'est une industrie très complexe. C'est un milieu opaque, etc. Donc, la vérité, c'est qu'une fois au pouvoir, il nous faudrait faire un état général de l'industrie de défense, des participations des uns et des autres, des capitaux croisés, qu'est-ce qui est stratégique pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui doit être revu, qu'est-ce qui doit être, à quoi doit-on mettre fin. Ce qui est certain, c'est que on fera en sorte que l'armée française ne se fournisse que auprès de producteurs français. Et quand ça n'est plus possible parce qu'on a trop vendu à l'étranger, eh ben on recrée les compétences et les chaînes de production. Une seule chose que je peux vous dire, c'est que quand on regarde la cartographie du secteur français de l'armement, il y a un groupe qui est au centre de tout, c'est Thalès. Thalès est le groupe qui a quasiment les participations partout. Donc, s'il devait falloir en nationaliser un, j'ai envie de dire, ce serait plutôt Thalès faire un grand pôle public de la défense autour de ça. Je ne sais pas vous répondre pour Dassault. Je ne sais pas vous répondre pour tout. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que à défaut, soit nationalisation, soit contrainte forte. Le groupe peut rester privé, mais contrainte forte pour répondre aux besoins de la défense et pas aux simples besoins aux simples logiques de profit. Et je précise une dernière chose, c'est que je dis ça parce que n'oublions pas que le groupe Dassault est célèbre pour le Rafale et ça occulte un peu le reste, mais en vérité, l'immense majorité, la plus grande part d'activité du groupe Dassault, c'est dans le civil. C'est le Falcon, c'est ce genre de choses. D'accord, merci. En tout cas, tu as rappelé aussi que nous avions de nombreux livrets et pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous enjoins à les consulter. Ils sont disponibles en ligne en format PDF. Ils ont été vraiment actualisés depuis ceux de 2017 et là, la conférence, le débat qu'on a aujourd'hui vraiment recoupe plusieurs thèmes qui sont clairement définis dans ces livrets. Alors, on a énormément de questions super intéressantes, donc on a décidé de les regrouper par thème, bien évidemment. Et Chantal va vous poser celle vraiment plus géopolitique pour le moment, avant de revenir sur la question des biens communs et de l'écologie. Je vais commencer par celle qui concerne l'Afrique, les relations France-Afrique, et surtout en particulier sur le CFA. Donc, les accords de coopération signés entre les anciennes colonies françaises ont introduit une monnaie, on peut dire coloniale, donc qui est toujours en subsaharienne et qui est gérée par la Banque de France. Donc, cette situation emprisonne vraiment la relation de la France avec les anciennes colonies et nourrit le sentiment anti-français qui se développe de plus en plus en Afrique. Donc, quelle est la situation ou bien quelle est la position de la France insoumise envers le franc CFA et quels seront vraiment ses engagements à modifier cette situation? Alors, sur le franc CFA, nous sommes pour mettre un terme effectivement à cette situation de dépendance monétaire et on sait à quel point la question de la monnaie est une question fondamentale pour la souveraineté des États et donc nous y mettrons fin en laissant aux États concernés la liberté, y compris de pouvoir créer leur propre monnaie régionale, leur propre monnaie continentale. Il y a un autre aspect aussi, je crois, important quand on parle des questions monétaire et surtout financière, nous sommes pour la fin des dettes odieuses qui ont été
souvent contractés avec des régimes autoritaires et qui ont servi souvent à enrichir plutôt ces régimes que à développer en fait à développer les pays et la dette peut et doit servir à cela et nous utiliserons les dettes, la dette pour ce faire, mais on sait bien et tous les travaux menés par les ONG, les associations sur la dette montrent très bien qu'une bonne partie est illégitime et nous y mettrons fin pour ce qui est de la part française de responsabilité à ce niveau-là. Voilà deux éléments sur cette question. D'accord. Peut-être juste une précision, comme l'a dit Daniel, c'est la suppression du CFA et laisser le choix aux pays concernés de recouvrir leur souveraineté humanitaire écrite noir sur blanc dans le programme. Précisons une chose, c'est un débat qui souvent est abordé de manière un peu frontale, la France d'un côté, l'Afrique de l'autre, alors qu'en vert, ils traversent les sociétés. Je m'explique. Vous savez que le problème du franc CFA, outre qu'il est défini à Paris et qu'il est par principe, ce n'est pas acceptable et c'est néocolonial, c'est qu'en plus, il est indexé sur l'euro. Donc, ça fait… là-bas, ils vantent… les partisans du CFA, CFA Ouest ou CFA Est, vous disent ça permet une stabilité monétaire. Le monétarisme, la stabilité monétaire n'est pas l'intérêt premier des peuples là-bas, puisque ce sont il y a des démographies extrêmement dynamiques qui fait qu'il y a besoin de création d'activités, d'emplois, etc. Et il y aurait besoin d'avoir des politiques monétaires beaucoup plus adaptées, beaucoup plus flexibles pour cela. Mais ça correspond malgré tout aux intérêts d'une certaine partie des gens là-bas. Donc, ce n'est pas simplement l'Afrique, c'est les intérêts croisés des oligarchies françaises et africaines qui sont imbriqués. Pourquoi un certain nombre de dirigeants locaux en Afrique ne sont pas particulièrement à l'avant-garde de la suppression du CFA? C'est parce que tout simplement, soit eux-mêmes, soit les classes sociales dont ils représentent les intérêts, ont eux-mêmes des placements à l'étranger, etc. Et ils n'ont aucun intérêt à avoir une monnaie qui ne soit pas convertible parce qu'elle serait jugée trop instable, etc., etc. Ou qui, tout simplement, voient leurs actifs s'effondrer. Et c'est tout le sens, et on a vu ça en direct, ces contradictions en direct, avec la création de l'écho, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Ouattara, le président ivoirien, et Macron ont annoncé, de mémoire en 2019, mais bon, peu importe si je me trompe de date, la fin du CFA et la création de l'écho qui devait remplacer le CFA dans toute la zone ouest. Bon, on ne cesse la mise la mise en circulation, enfin la création effective de l'écho ne cesse d'être retardée. En vérité parce que les États africains concernés ne se mettent pas d'accord sur le sujet et que les oligarchies concernées ne sont pas spécialement veulent pas spécialement avancer. Pourtant, force est de constater que l'écho, c'est juste un changement sémantique puisque finalement l'indexation sur l'euro reste la même et donc par effet indirectement on impose le monétarisme néolibéral à des pays africains qui n'en ont pas besoin. Mais je voulais juste préciser que voilà, ce n'est pas simplement un tête-à-tête France-Afrique. Il y a des débats à l'intérieur des sociétés concernées. Je vous invite à aller lire les économistes sénégalais, notamment, qui sont très en pointe sur le sujet. Et ils se battent eux-mêmes à l'intérieur de leur pays contre le CFA. Ce n'est pas une bataille Afrique contre France, simplement. Merci. J'ai une autre question qui va concerner plutôt le Moyen-Orient. Donc, je vais partir d'une question globale. C'est surtout une question qui concerne le FMI, donc le Fonds monétaire international. Donc, en général, on sait, c'est un petit peu vendu comme le seul plan de sauvetage des pays qui sont en faillite. Et directement, ça peut devenir l'instrument de l'impérialisme et créer une certaine dépendance politique. Donc, quelle est vraiment la position de la France insoumise du FMI? Et puisque la France est un pays membre du FMI, comment la France insoumise perçoit le rôle de la France au FMI? Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet de la question concerne plutôt les pays qui sont en faillite économique et qui ont recours au plan de sauvetage proposé par le FMI. Donc, notamment
quel rôle la France peut jouer. Si je peux prendre un exemple, en particulier, on peut prendre l'exemple du Liban. Donc, le Liban, qui est le principal pays du Moyen-Orient, là où on a vraiment une influence et une présence française. Donc, ce pays-là, il traverse une crise monétaire, économique, politique depuis 2019. Et la question serait comment vraiment la France peut soutenir le Liban et peut assurer sa souveraineté. Nous, nous sommes critiques du Fonds monétaire international parce que il a une politique néolibérale et on sait aujourd'hui que toutes les politiques d'austérité qui ont été mises en place dans l'Union européenne notamment avaient pour prélude tous les plans de FMI dans les années, la fin des années 80, les années 90 sur le continent africain et en Amérique du Sud. Et ça a été vraiment le laboratoire de ce néolibéralisme-là avec les plans, les mesures, l'austérité en fait néolibérale, elle a commencé dans ces pays. Et donc, oui, nous militons en faveur d'un changement complet de paradigme au niveau international. Arnaud l'a évoqué sur la nécessité d'avoir une vraie monnaie mondiale, par exemple, et de cesser de dépendre de la bonne volonté des États-Unis et de la référence au dollar. Donc ça, c'est tous les éléments justement de cette diplomatie altermondialiste que de développer, de renforcer les rapports avec voilà, tous les États qui seraient disponibles pour ça. La Chine, par exemple, a évoqué cette possibilité. C'est quand même un partenaire qui serait en capacité, étant donné sa place aujourd'hui dans l'économie et dans la finance mondiale, voilà, de prendre des initiatives. Et donc ça, le fait de développer justement une position non alignée, d'avoir une voix qui parle et qui est en capacité de parler à tous et à toutes et de montrer l'exemple quand nous disons que nous appliquerons notre programme qui est aux antipodes des règles de la Commission européenne, qui défend le développement des services publics, qui défend le protectionnisme solidaire, c'est-à-dire le fait de préserver ces marchés pour développer des agricultures paysannes, vivrières, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire sur l'ensemble du spectre des besoins alimentaires de nos populations. En faisant cette politique nous-mêmes, nous donnons le signal et nous montrons que ce qui est possible au niveau européen doit l'être. Et donc, c'est, on va dire, l'exemple que nous montrerons et que nous porterons et le discours que nous porterons au sein des institutions internationales et au sein du FMI en faisant nous-mêmes ce que nous disons et ce que nous proposons à d'autres États de le faire et que nous ferons par ailleurs de manière bilatérale, c'est-à-dire développer aussi une coopération, ce que j'évoquais sur le transfert technologique des savoir-faire, le fait de développer, voilà, c'est aussi une manière justement de donner les opportunités et de faire exister des alternatives pour les États, parce que l'acceptation de ces plans est souvent due au fait qu'il n'y a pas d'autre alternative pour pouvoir avoir les moyens de développer telle ou telle politique. Voilà un peu les leviers qu'on utiliserait en la matière, mais c'est vrai que voilà, le cadre même idéologique du FMI, c'est disons qu'on s'en servira aussi comme tribune, comme endroit où mener ces batailles-là, mais nous, notre centre de gravité ne sera pas dans les institutions de Bretton Woods et de leur politique, ce sera de créer justement d'autres cadres, de réinvestir plutôt les institutions onusiennes, donc qui développent de la coopération véritablement internationale et de manière bilatérale et avec plusieurs États de développer des alternatives aux politiques qui sont menées par le FMI. Mais sur avant de parler du Liban, juste ce que dit Daniel, en plus, on a tendance à oublier qu'il y a eu une autre histoire de la mondialisation, des institutions de Bretton Woods, etc. Elle a complètement raison,
les institutions de Bretton Woods, donc OMC, FMI essentiellement, sont, enfin GATT, OMC, FMI, sont, ont baigné depuis trop longtemps dans le néolibéralisme pour être peut-être transformables de l'intérieur, ça, on pourrait voir, mais historiquement, il y avait une autre vision. Je rappelle quand même qu'au tout début, l'OMC était très keynésien et malgré les coups de boutoir des États-Unis pour imposer le libre-échange, au départ, ils n'ont pas réussi. Enfin, les GATT et prévoyaient notamment, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas créé l'OMC tout de suite, qu'elle a été créée que dans les années 90, prévoyaient notamment l'interdiction de déséquilibre des balances commerciales. Alors, ça peut paraître technique comme ça, mais c'est une révolution politique. Parce que ça veut dire que derrière, vous n'avez pas de déséquilibre monétaire, etc., etc. Et tout un ensemble de mesures comme ça. Et il y a eu une occasion manquée qui s'appelle la charte de la Havane. Alors, rien à voir avec Fidel Castro, même si ce ne serait pas honteux, puisque c'était juste le lieu de signature de cette charte au début des années 50, et qui prévoyait une autre mondialisation complètement, avec un encadrement très strict du commerce, une vraie monnaie mondiale, qui ne soit pas... Le dollar est une monnaie mondiale de fait, elle n'est pas une monnaie mondiale de droit. Mais on n'a pas réussi à la créer, cette monnaie mondiale, qui aurait été indexée sur aucune monnaie nationale, sur un panier. Voilà, c'est toute la question des droits de tirage spéciaux, du FMI, etc. etc. Mais donc, on peut parfaitement mener la bataille du protectionnisme solidaire dans toutes les arènes, mais aussi dans celle-là. Voilà. Et j'ajouterais que la période y est beaucoup plus favorable qu'on veut bien le croire, parce qu'on a très bien vu qu'il y a eu une remise en question tendancielle du libre-échange depuis plusieurs années, que la pandémie a accéléré cela, et qu'à un moment donné, c'est pas compliqué, c'est soit il y a une relative démondialisation ordonnée. Quand je dis démondialisation, c'est ce que j'ai de faire, c'est pas sortir de la mondialisation, ça n'a pas de sens, mais démondialiser ce qui doit l'être et réglementer plus fortement ce qui doit rester mondialisé. Mais c'est soit ça, soit le chaos, en fait, soit la guerre de tous contre tous dans le cadre de la déréliction, de la déliquescence des institutions internationales. Il y a aussi des pays sur lesquels on peut s'appuyer, par exemple, au niveau de l'agriculture. L'Inde, ce n'est pas mon modèle maudit, etc., mais par-delà les gouvernements successifs en Inde, il y a une politique, un consensus en Inde pour protéger l'agriculture et ne pas la livrer au libre-échange international, ce qui a permis à un pays comme l'Inde de bloquer un certain nombre d'accords de libre-échange à l'OMC, etc., etc. À l'ONU, en 2015, l'Assemblée générale a voté un projet de règlement collectif des dettes qui correspondrait parfaitement à ce qu'on pourrait faire dans ce qu'on appelle, nous, le cadre du protectionnisme solidaire et la charte de la Havane, à laquelle il faut rajouter une dimension écologique qui n'existait pas à l'époque, mais ça, c'est un autre sujet, etc., etc. La France doit s'appuyer sur ce qui existe déjà. Et il y a eu des gens qui ont essayé de combattre le néolibéralisme, et il y en a eu avant nous, et il y en aura. Et du coup, on doit s'inspirer aussi de ces mesures-là portées par des États. Voilà. Sur le cas du Liban, je vais être très rapide. Le Liban, on a déversé 400 milliards de dollars sur le Liban depuis les années 90. À l'échelle du Liban, c'est plus que le plan Marshall. Cet argent a été complètement englouti par une classe prédatrice, il faut le dire très clairement. Vous savez, le Liban fonctionne comme une immense pyramide de Ponzi. Avec cet argent ressort, et puis une petite partie est distribuée à des populations de manière complètement clientéliste. Chacun a son petit précaré, chaque organisation partidaire, plus ou moins communautaire, a son petit précaré, etc. Il ne se passera rien. Alors évidemment, là-dessus, le FMI arrive, propose des réformes libérales encore plus, casser encore plus les conditions de travail des salariés, notamment du public, etc. De toute façon, dans le privé, au Liban, il n'y a quasiment plus de salaire de travailleurs formels, il n'y a quasiment que de l'informel. Mais ce qui est pire, c'est que le Liban a été dans une telle situation que même les plans du FMI étaient vus parfois comme un moindre mal par une partie de la population, tellement le pays était en banqueroute, une banqueroute organisée, je veux dire. Donc, il ne se passera rien si, à un moment donné, moi, je dirais jamais la France va rendre au Liban sa souveraineté, parce que je n'ai jamais vu un pays, d'abord, la France n'occupe pas le Liban, et je n'ai jamais vu un pays aider un autre à se développer dans l'histoire de manière complètement, à un moment donné, on pourrait faire un certain nombre de choses pour que des choses cessent. On pourrait commencer par être beaucoup plus actif dans la recherche des fonds, de l'argent volé aux Libanais.
parce que cet argent, il n'est plus au Liban. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Mais ça rejoint, par exemple, quand on parle de lutter contre les oligarques, etc. Pourquoi la lutte, pourquoi les sanctions contre la Russie sont aussi globales et si peu ciblées sur les oligarques, alors de temps en temps, on prend un yacht par-ci, 200 millions par-là, ce qui est ridicule. Mais c'est parce que, comme l'a très bien dit le prix Nobel de l'économie Paul Krugman, ça suppose d'en finir avec l'opacité bancaire généralisée du système bancaire occidental et néolibéral. Et là, bah, on va trouver beaucoup d'autres choses que des fonds d'oligarques et des fonds de voleurs au sommet de l'État libanais, comme pouvait l'être l'ancien directeur de la Banque centrale. Et je terminerai là-dessus. Ce qui est une chose aussi qu'on pourrait faire, c'est d'arrêter de sauver une classe politique libanaise dont le peuple libanais ne veut plus, mais qui a su organiser sa continuité parce que le système électoral, etc., etc., fait qu'en fait, personne d'autre peut être élu, quelle que soit l'impopularité des dirigeants politiques libanais actuels. Ils ont organisé réélection quasi automatique par des savants, des arrangements constitutionnels. Mais il y a d'autres voies au Liban, et il y a un peuple qui s'est soulevé massivement, qui est sorti dans la rue, dans des manifestations d'une ampleur inconnue dans l'histoire récente du Liban. Et il y a quelques forces politiques, voilà. Par exemple, je dis que c'est public, hein, Jean-Luc Mélenchon il y a quelques semaines, rencontré quelqu'un comme Charbel Naas, président du mouvement Citoyenne et Citoyen dans un État, ce qui est tout un programme au Liban. Ça peut paraître un peu bizarre comme titre, mais en fait, c'est qu'ils veulent recréer un État qui ne soit pas clientélaire, qui ne soit pas juste un lieu d'accaparement de la richesse publique par des clans privés. Donc, c'est d'abord ça, voilà. Très bien. Donc, nous avons 5 minutes là, ce qui est absolument impossible pour toutes les questions de poser. Donc, on les a rassemblées et on vous propose à chacun d'entre vous d'en prendre une pour qu'on puisse vous libérer dans les temps que l'on vous a promis. Donc, Catherine, tu as rassemblé plusieurs questions et on va vraiment toutes les poser, mais excusez-nous si on n'a pas... de ne pas avoir la possibilité de répondre. Oui, alors comment s'orienterait la diplomatie dans la zone Asie-Pacifique et plus particulièrement dans la mer de Chine où il y a de fortes tensions? Autre question, comment la francophonie des peuples peut-elle se combiner avec la vision altermondialiste de l'LFI? La raréfaction et la pollution de l'eau aggravent les risques de recours à la violence. Quelle serait votre diplomatie pour la paix et donc pour un partage équitable et la préservation de l'eau? Et ensuite, quel rôle l'art et la culture ont-ils dans un monde altermondialiste? Voilà, donc vous pouvez choisir, répondre un peu à toutes ou une en particulier. Répondre sur Asie-Pacifique, Daniel? Donc, ce n'est pas mon domaine particulier. Je peux répondre sur Asie-Pacifique et vas-y. Je te laisse développer le reste. Ouais, je vais essayer de. Sur l'Asie-Pacifique, je vous renvoie à une tribune de Jean-Luc Mélenchon à l'automne dernier qui était Cessons de suivre les aventures des États-Unis dans la zone Asie-Pacifique, qui faisait suite à l'affaire AUKUS. Hein, vous vous rappelez cette fameuse. Non pas que nous soyons, nous, des grands partisans de vendre des sous-marins aux quatre coins du monde, etc., en attendant la manière dont le contrat de vente de sous-marins français avait été cassé sur intervention des États-Unis et de l'Angleterre, en disait long sur le fait que nous n'avons aucun intérêt à rentrer dans une logique de bloc dans la zone Asie-Pacifique. Comme vous le savez, il y a le concept d'Indo-Pacifique est très à la mode et chacun y met ce qu'il veut. Les États-Unis le conçoivent de l'Inde à Hawaï, la France de Djibouti à Tahiti, et c'est la grande zone à la mode dans laquelle il faut être. Sur ce qui concerne la mer de Chine, plus précisément, il y a un certain nombre de litiges et de conflits qui doivent se régler à l'ONU, mais ce n'est certainement pas les manœuvres militaires à laquelle la France, pour la première fois depuis plus de 20 ans, à participer avec les États-Unis
dans la zone en envoyant le Charles de Gaulle, le porte-avions, etc. Donc, c'est des symboles forts qui vont améliorer les choses. À l'inverse, il faudra faire comprendre aussi à la Chine qu'elle ne peut pas se permettre de décréter que tout est à elle dans le coin. Mais il y a des points de tension, des points de friction, notamment Taïwan. Sur Taïwan, nous nous sommes rigoureusement pour le statu quo. Il est très imparfait, mais il est moins pire que tout le reste. Voilà, le statu quo établi dans les années 70. Et juste une dernière chose, c'est que la personne qui a posé cette question est sûrement pas sans savoir que la France est aussi un pays de la zone Asie-Pacifique. Et donc là, je renvoie aux propos que nous avons tenus, Daniel et moi, sur la nécessité de réintégrer davantage les territoires d'outre-mer dans les économies régionales, d'utiliser davantage leurs atouts, etc. Et donc, avant de vouloir régler tous les problèmes d'une énorme complexité là-bas et d'aller faire les va-t-en guerre, déjà, occupons-nous d'essayer de régler, de s'occuper des territoires en question. Je rappelle qu'on a le deuxième domaine maritime du monde, qu'on est incapable, à l'échelle, je crois, alors je vais dire une bêtise, on utilise souvent cette image, le nombre de bateaux qu'on a pour surveiller notre domaine maritime, ça équivaut à s'il y avait deux voitures de gendarmes sur toute la France. Enfin, bon, je vais dire une bêtise, donc, mais il faudrait rechercher la comparaison, mais c'est ridicule. Donc, avant d'aller faire les va-t-en guerre d'un côté ou de l'autre, que ce soit face à la Chine ou avec la Chine, ou qu'il soit, bon, avec la Chine, ce n'est pas vraiment l'ordre du jour, mais on doit déjà s'occuper de ça, d'assurer notre souveraineté, la protection de nos territoires. Et là-bas comme ailleurs, tous les problèmes doivent se régler dans un cadre diplomatique et non militaire. Voilà ce que je peux dire. Donc, peut-être c'est insatisfaisant parce que je vous ai surtout dit ce qu'on ne fera pas, mais il n'y a pas de solution miracle en mer de Chine. Déjà, commençons par arrêter les envolées militaires, etc. Et je vous invite à lire la tribune de Jean-Luc sur ce sujet à l'époque. Alors, je voudrais donner quelques éléments sur la question de la francophonie politique, la francophonie des peuples. Nous avons un livret sur ce sujet-là et je vous invite à vous rentrer dans le détail de l'analyse. On n'a pas le temps de développer ici à vous en saisir parce qu'il y a vraiment le panel de l'ensemble des propositions. Le fil conducteur de cette analyse, c'est le fait que la France est une langue universelle, qu'il y a aujourd'hui dans le monde le français, une langue partagée par de nombreux peuples, et a été aussi une langue de libération. C'est la formule de Thomas Sankara qui disait que la francophonie peut être un instrument de libération politique, puisque c'est la langue commune avec laquelle, y compris de manière panafricaine, en tout cas dans les États francophones, on accédait au savoir, à la compétence, à l'éducation. Et donc, c'est mettre cette langue-là au service d'un projet de diplomatie altermondialiste, développer le plurilinguisme, y compris pour combattre l'hégémonie de l'anglais, qui n'est pas simplement l'hégémonie de langue, mais aussi traduit une hégémonie, même si elle est en déclin économique et militaire. Et donc, nous sommes favorables au pluralisme au niveau international, mais aussi dans notre propre territoire, la langue française étant la langue commune et la langue de base, mais notamment dans les territoires d'outre-mer, altercontinentaux et insulaires, de permettre aussi le développement de ces langues-là, de ces langues maternelles et de l'apprentissage qui permet à accéder à l'éducation et à la langue française nationale, mais donc de faire développer aussi à travers ça, à travers la langue française, les formations, les transferts de savoir. Nous avons deux grands projets d'université, l'université de l'espace et l'université de la mer. C'est des propositions que nous mettons dans le débat avec les États et les pays francophones, notamment. Au sein des institutions de l'ONU, nous pensons que
Il est important, je l'ai dit, de développer un certain nombre d'interventions dans des instances, par exemple, comme l'UNESCO, avec des pays, francophones. La question du transfert des technologies, justement, dans la coopération économique, est un élément de ce point de vue, en sachant qu'il y a aussi l'idée que ce n'est pas simplement un transfert qui va de la France à ces États, à ces différents États francophones, mais aussi de ces États, parce qu'il y a des savoir-faire, il y a des compétences, il y a voilà, des expériences dont, je crois, notre pays peut et devrait profiter, pas simplement dans les coopérations régionales, insulaires et intercontinentaux, mais aussi de manière hexagonale. Donc voilà sur un certain nombre de mesures pour mettre la francophonie au service des peuples, qui est donc une langue qui est parlée par les peuples et des millions de personnes à travers le monde et qui doit servir ce point-là. Sur la question de l'eau, je n'ai pas retenu les autres thèmes, il y en avait beaucoup, mais je vais me concentrer sur la question de l'eau parce que ça, c'est aussi un élément de notre politique en France sur l'eau comme bien commun, y compris de manière très précise. Nous pensons par exemple que la carte de la France administrative doit se recomposer en partant de la commune comme unité de base, mais en suivant pour les niveaux les plus pertinents de coordination territoriaux, en suivant les bassins versants, en fait, des réseaux de l'eau sur le territoire. Donc c'est vraiment quelque chose de central, nous, dans notre politique. Mathilde Panot, la présidente de notre groupe parlementaire, a mené une mission sur le sujet et une campagne importante, d'abord pour empêcher en fait la marchandisation de l'eau, et donc notamment au niveau des rôles des multinationales et de leur accaparement des terres. Et donc ça rejoint ce qu'on disait sur le développement de traités internationaux et de pousser ensemble avec différents États pour contraindre et empêcher les multinationales en fait de remettre en cause des droits sociaux, environnementaux. Et dans l'environnementaux, il y a l'accès à l'eau, et donc l'accaparement des terres doit être empêché de ce point de vue-là. Il y a une dimension aussi sur la protection de la biodiversité et de l'environnement, avec une grande politique d'ampleur de dépollution, en fait, notamment dans des territoires pollués par le chlordécone, pollués par le mercure. Donc, de nous-mêmes mettre en œuvre cette politique-là et d'investir énormément dans l'adduction d'eau, etc. La question du droit à l'eau comme un droit aussi constitutionnel. Donc, là aussi, mener une politique internationale par l'exemple de ce que nous faisons nous-mêmes, et mener voilà, avec d'autres États. J'avais évoqué la question d'un traité international contre la pollution plastique qui permettrait en fait d'agir de ce point de vue-là sur une pollution qui touche toutes les mers et tous les océans. Il y a le fait de nommer par exemple un ambassadeur ou une ambassadrice thématique sur la question de l'eau, donc qui mènerait cette diplomatie, développer, je l'avais dit aussi, les moyens de l'aide publique en les fléchant par rapport à des opérations, des travaux de coopération, de transfert de technologies, etc., qui visent à la préservation des ressources en eau. Voilà quelques-uns des éléments sur la question du bien commun et de l'eau en particulier. Je ne sais pas si, enfin, on n'a pas pu répondre à tous les points qui étaient relevés, mais encore une fois, de manière assez spécifique sur au moins 5-6 livrets, que ce soit le livret sur la géopolitique et les questions internationales, le livret sur les outre-mer aussi. On a un livret sur la francophonie des peuples, on a un livret sur l'eau, on a un livret sur les forêts,
Et donc, vous avez bien sûr le livret sur les Français et Françaises de l'étranger, et vous retrouvez en fait l'ensemble de ces propositions à la fois de manière thématique, spécifique, et de manière transversale, en fait, puisque ce sont des propositions qu'on retrouve et qui se complètent dans les différents livrets. Donc, pour aller plus loin, je vous invite vraiment à vous en saisir, à lire et à diffuser les livrets thématiques et les plans d'action que nous avons mis en ligne. Ça fait, c'est vraiment le programme le plus conséquent qui existe aujourd'hui dans le débat de la présidentielle. Je peux juste préciser une chose, pour continuer de ce que dit Daniel, qui mettait bien en avant le caractère transversal de nos livrets. Lors du vote de la loi Aide publique au développement et lutte contre les inégalités mondiales, bon, ben, je reprends le titre tel qu'il est fixé, hein, je sais bien que c'est une blague de la part de En Marche de prétendre lutter contre les inégalités mondiales, mais l'un des grands reproches qui avait été fait à cette loi par les ONG, et nous on avait déposé des amendements allant en ce sens qui évidemment n'ont pas été retenus par En Marche, c'était qu'il y avait une absence de cohérence. Il y a un devoir de cohérence des politiques publiques à l'international. On ne peut pas d'un côté prétendre faire de l'aide au développement, etc., et de l'autre imposer des traités commerciaux totalement inégaux à l'Afrique qui détruisent les agricultures vivrières, la pêche artisanale, etc. On pourrait multiplier les exemples presque à l'infini. Et nous, au contraire, on essaye de mettre, d'avoir cette démarche cohérente. Alors après, tout n'est pas dans tout le temps, et il faut bien avoir des domaines de spécialité. Il y a cette logique de cohérence, et en effet, vous pourrez trouver de l'international dans le livret forêt, dans le livret eau. Vous pourrez trouver, parce que c'est comme ça, parce que dans la vraie vie, c'est imbriqué. Et contrairement aux néolibéraux qui croient pouvoir saucissonner le réel, hein, vous savez, il y a celui qui s'occupe de la finance, celui qui s'occupe du commerce, et puis tout cela est en contradiction. Nous, au contraire, on a cette volonté de cohérence. Notre programme est harmonieux, finalement. Voilà. Très bien, vous avez en partie conclu comme je voulais le faire en insistant sur, en invitant notre auditoire à consulter, à lire les livrets, en parlant de la cohérence du programme et de la manière dont tous les thèmes que l'on sépare habituellement traversent chaque livret, traversent l'ensemble du programme. C'est pour ça que ces livrets seront aussi intéressants à lire. Je voudrais juste finir en vous remerciant pour vos interventions, la manière dont vous avez développé les questions. Vous nous avez vraiment montré comment on va changer de paradigme avec une diplomatie altermondialiste qui sera basée sur le partage, la coopération, le développement. Et surtout, vous nous avez montré comment on est prêt à gouverner. Je finirai là-dessus et on verra dans une semaine ce qu'il en sera. Merci, vous pouvez retrouver le différé sur YouTube, Facebook. Et n'oubliez pas, si vous voulez en savoir plus et participer à la campagne, à vous inscrire sur le groupe fonctionnel. Le lien est plus haut dans le chat. À bientôt. Au revoir et merci. Et bonne fin de campagne jusqu'au dernier moment. Il y a encore et des gens vous, à travailler. Surtout, quelle énergie vous devez avoir. Mais c'est réjouissant. Merci.